good evening, everyone. Before we begin, I would like to thank our friends and sponsors, without whom none of this would have been possible. With the partnership of Igor Stravinsky, Basilica Santi Giovanni and Paolo, Etel, Adnan, Musicatreize, APS, ACS, Association Philippe Job, Ministère de la Culture Française, GREM, Centre National de la Musique, Venice Art Factory, Flint Culture, Alienative, Adlo, 3 Division, and Orchestra. All started in 2019 in Venice, around a spritz on a late afternoon, facing San Michele Cemetery, when Roland had a Hayrabedian, conductor and founder of Musicatreize, started talking with us about Stravinsky's 50th death anniversary. Here we are in 2021. Igor Stravinsky's Requiem Canticles was performed in 1971 at the Basilica Santi Giovanni in Paolo during his funeral, and the procession that led Stravinsky to his eternal home at the cemetery of the island of San Michele in Venice. Zad Moultaka's Requiem for a New World is a story of survival against all odds. With the backdrop of a Lebanese people in turmoil and the world trying to recover from COVID, here is a story of absence, presence, hope, revelation, and renaissance. I will leave you with one of my favorite quotes. Art is a door helping to set us free from all of the world's heaviness. So even if just for one tonight, be light and enjoy.
Thank you.
Thank you.
tandis que le monde va revenir tel qu'il est, éternel retour du même, que le monde va revenir comme il est aujourd'hui, il va se dupliquer. Mais ça n'a aucun sens. J'ai jamais cru comme ça. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens de tout ça. En écrivant ça, je me suis rendu compte que le père de Nietzsche était un peu Dieu. Donc, c'est l'éternel retour de la même révélation. Parce que, qu'est-ce que c'est que la révélation? C'est la découverte du Dieu intérieur. Comment nous avons pensé à Dieu? Nous avons eu l'idée du divin très intérieurement. C'est une expérience mystique. La révélation est indivisible et libre. C'est le retour du même, de la même révélation. On ne peut pas aller plus loin que découvrir le divin. C'est l'éternel retour de cette expérience